Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne l'ont pas d'amis. Ils voulaient que je sois comme eux. Que je dise comme eux. Levez la tête, Pierre-François. Regardez-moi. Baissez les yeux. Et ils m'ont appelé l'esprit de force. Avec des livres. Des vieux livres. Dans les poussières, dans une tête d'enfant. Belle jeunesse, vraiment. Ma mère m'a dit bien qu'il préférait mon imbécile de frère. Et mon directeur de conscience qui me répétait sans cesse, vous êtes trop fier, Pierre-François, pour rentrer en moi-même. Alors je suis rentré en moi-même. Je n'ai jamais pu en sortir. Les imprudents me laissaient tout seul avec moi-même et ils me défendaient les mauvaises fréquentations. Quelle inconséquence. Mais quelle prodigieuse destinée. Aimer personne. Être seul. Être aimé de personne. Être libre. C'est vrai que pas personne. Pas mon fougance. Et pourtant, mon amour, vous êtes la seule femme que j'ai jamais approchée sans elle. Et vous aimez pas non plus, Pierre-François. C'est fort heureux. Mais pourquoi venez-vous me voir tous les jours? Est-ce parce que je ne vous ai pas demandé ce que tous les autres hommes sont une cagoule ou pas? Non. Je sais que vous n'êtes pas coquette. Alors pourquoi? Parce que je m'ennuie. Vous amusez peut-être. Oui, vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, c'est imposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Si j'étais vaniteux, je serais blessé jusqu'à l'os. Mais je n'ai pas vaniteux. Que l'orgueil. Je suis sûr de moi.